pouvez seulement publier sans les attendre. Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Mbotenabino Banso Bandeko Ba Bolingo. Voilà. Permettez un instant, il y a un petit souci. Et c'est là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, chers compatriotes, j'ai été bloqué des streamings en direct sur l'autre chaîne, Symphorien News. Je pense que c'est pour 3 mois. Ouais. Maintenant, nous sommes ici, hein, pour... ceux qui veulent regarder de ce côté-ci. Voilà. Comme vous pouvez le voir dans les titres, chers compatriotes, urgent, Fatshi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déçu, il nomme le Sénégalais Karim Wade conseiller privé. Et le deuxième sujet... C'est Kagame a été traité de voyou par un député européen. J'ai une petite vidéo là-dessus. Je vais vous la montrer, chers compatriotes. Voilà. Eh bien. Est-ce que c'est grave? Nous nous souvenons du conseiller Serge Tshibangu.
Serge Tchibangou, le haut conseiller du président de la République qui partait en mission partout, partout, et qui était considéré comme le président de la République lui-même, que tous ceux qui le voyaient, des chefs d'État et consorts, voyaient déjà directement Félix Tshisekedi. Mais il a trahi. Il était impliqué dans une traîtrise de déstabilisation, de complot, de coup d'État. Eh oui, mais il a été rattrapé bien à temps. L'ANR l'a auditionné, donc on avait récupéré son téléphone et son portable, et on a trouvé dessus beaucoup de conversations compromettantes. Voilà. Donc il prévoyait de renverser le président de la République. Et ce n'est pas la première fois, chers compatriotes, il y en a eu d'autres avant lui. Il y a eu François Béya, il y a eu encore qui, je ne sais pas, un certain Mandela ou quelque chose comme ça. Des Kassaïens par-dessus tout. Eh bien, il fait quoi? Eh, je lui donne raison. Eh oui, ça veut dire que les conseillers qui sont là sont des conseillers de façade. Donc maintenant, il a nommé le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Le fils s'appelle Karim Wade. Karim Wade. Chers compatriotes, je vais vous montrer la photo de Karim Wade. C'est un conseiller privé. Un conseiller privé, chers compatriotes, vous savez que c'est plus, même plus important qu'un conseiller officiel. Ah oui, hein? Chers compatriotes, hein? Donc, trahirier, au Basalekiliboso et Serge Tchibangu. Donc, Amoni Naïke, dont a nommé ancien ministre du Sénégal. Malgré qu'il y a Zouaki, problème dans le Sénégal, à Kotara prison, tout ça, mais bon, à Salakapen Naïe, voilà, il est blanchi. Lui, maintenant, le président a décidé de l'utiliser comme conseiller privé. Un conseiller privé est au courant de ce que les conseillers officiellement nommés ne sont pas au courant. Du moins, lui, il est sénégalais d'origine, mais il ne peut pas penser à faire un coup d'État au président de la République. Eh oui, c'est la meilleure personne pour surveiller tous les autres. Et c'est une des tactiques du président de la République. Il a nommé un opposant ministre de la Justice pour bien avoir les autres. Et voilà, ils l'ont empoisonné. Maintenant, Constant Mutamba a été évacué à l'étranger. Il n'a pas participé au Conseil des ministres extraordinaire de lundi. Mais bon, eh bien, nous prions pour qu'il puisse recouvrer sa santé, pour que ce poison soit éliminé complètement de son corps. Mais alors, à son retour, lui, il ne va pas se fatiguer, hein. Il va aller jusqu'au bout de sa logique. Pas de corruption, pas de mafia parmi les magistrats. Eh oui, pas de paiement d'argent en espèces. Tout doit être bancarisé. Eh oui. Et même certains ministres du gouvernement ne veulent pas de lui, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça, soyez-en sûr. Eh oui. Voilà, chers compatriotes, cette information
Je vais la lire. C'est un média sénégalais qui a publié cette information-là concernant le président Félix Tshisekedi. Et oui, je vais lire cette information-là, chers compatriotes. Voilà le président en personne. Et à ma droite, c'est Karim Wadé. À ma gauche, c'est le président de la République de retour de Beijing. Là, il était habillé comme ça lors du conseil extraordinaire des ministres. D'habitude, il préside ses conseils de ministres les vendredis. Mais là, ça a été fait d'urgence le lundi. Le lundi, de retour en force de la Chine. Eh oui, que Kagame prenne ses gardes là où il est. Voilà, laissez-moi lire quand même l'information en question. Eh bien, eh bien. Karim Ouadé, désormais l'homme de l'ombre du président Félix Tshisekedi. Eh oui, l'information est tombée comme un coup de tonnerre, alors que les Sénégalais et les militants du Parti démocratique sénégalais, PDS, se demandent où se trouve leur leader, Karim Ouadé. Le voile est levé sur une manœuvre des plus secrètes. Ben, c'est clair. Est-ce qu'il va continuer à être président du Parti démocratique sénégalais? Maintenant qu'il est nommé conseiller privé du président Félix Tshisekedi, ça, c'est lui qui le sait. De toute façon, le président Félix Tshisekedi a des dossiers secrets qu'il peut confier maintenant à Karim Wadé, qui n'est pas congolais, qui n'est pas Moulouba, Kassaïen, comme tous les autres, ceux qui l'ont trahi. Serge Tshibangu, François Béya, et Mandela, et qui d'autres, qui, je sais pas. Karim Wadé, qui n'avait pas participé aux dernières élections présidentielles du Sénégal, a fait un retour sur la scène internationale d'une manière qui en surprendra plus d'un. Désormais, il officie en toute discrétion comme conseiller privé du président de la République, chers compatriotes. Eh oui, c'est un média sénégalais qui le publie, hein. Du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Une position stratégique et influente, puisqu'il occupe le rang le plus élevé parmi les conseillers du chef d'État congolais. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure? Ah oui, un conseiller privé, il vaut plus que tous les conseillers nommés officiellement. Ce nouveau rôle place Karim Ouadé dans une position de pouvoir sans précédent. Lui qui a déjà été ministre au Sénégal sous le règne de son père Abdoulaye Ouadé. Mais ce n'est pas tout. Dans le plus grand secret, Karim Ouadé a également obtenu un passeport diplomatique sénégalais, bien sûr, qui lui permet de voyager librement à travers le monde. Loin des regards indiscrets, ce geste audacieux vient suite à sa décision de renoncer à sa nationalité française, une décision que peu auraient anticipée. Ces révélations risquent de faire l'effet d'une bombe au Sénégal, où ses partisans attendaient son retour sur le devant de la scène politique nationale. Le silence du Parti démocratique
Sénégalais, PDS, en sigle sur ces affaires. Combiné au mystère entourant les allées et venues de Karim Ouadé, ne fait que renforcer les interrogations. Que cache réellement cette nomination en République démocratique du Congo? Est-ce un signe d'ambition plus grande, dépassant les frontières du Sénégal? Ce retournement de situation inattendue pose une multitude de questions sur l'avenir politique de Karim Ouadé, mais aussi sur les véritables motivations qui le poussent à se tenir en retrait du jeu politique sénégalais pour embrasser un rôle aussi crucial en RDC. Ses voyages secrets à travers les continents et son implication directe auprès du président Tshisekedi laissent présager des bagouilles. Ça, c'est les Sénégalais qui le disent. Peut-être pas. Le PDS et ses militants méritent des réponses. Pourquoi ce silence? Et surtout, quelles seront les répercussions de cette alliance secrète sur la scène politique sénégalaise? Une chose est sûre, cette révélation ne manquera pas de secouer le Sénégal et de provoquer de vives réactions. Karim Ouadé continue de dealer dans le dos des Sénégalais et surtout des militants du PDS. Eh oui! Le ton de ses écrits révèle un journaliste opposant, parce que le langage, c'est un langage d'attaque. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas Karim Ouadé qui écrit. Eh oui. Eh bien, chers compatriotes, nous Congolais, on s'en fout éperdument, hein? Wana toko ki pété, hein? Donc, Zali pour la sécurité à président. J'imagine, si le cas du ministre Constant Moutamba était arrivé au président de la République, c'est-à-dire Serge Tshibangu, qui amène un dossier dont les pages contiennent du poison et qui remet ça au président de la République. Vous imaginez, il aurait été empoisonné. Eh bien, il vaut mieux un étranger, un conseiller privé étranger, qui peut traiter ou des dossiers ou transmettre des messages secrets, des messages importants. Voilà. Oui, hein. Qui peut donner des injonctions aux autres conseillers qui sont là à la présidence. Et voilà, pourquoi pas. Moi, si j'avais été le président Félix Tshisekedi, j'aurais agi de la même façon. Un conseiller étranger, un ancien ministre. Eh oui, pourquoi pas? C'est pour sa sécurité. Pour preuve, Constant Moutamba a été empoisonné à travers la transmission des dossiers. Le poison s'est trouvé sur les pages qui tournaient. Peut-être qu'il a mis sa main ou il a mis un peu de salive sur les doigts pour tourner les pages comme on le fait inconsciemment par réflexe. Eh oui! Voilà, moi je salue ça, je ne suis pas contre ça. Oui, c'est normal, ce n'est même pas écrit dans la Constitution qu'on ne peut pas prendre un conseiller privé étranger. Eh oui, ça se fait. Même les gardes présidentiels, on en a déjà vu par d'autres présidents. Oui, on en a vu aussi quelquefois, aussi accompagnant le président Félix Tshisekedi, hein. Eh oui, ce n'est pas interdit, chers compatriotes. Voilà, c'était un flash informatif. Maintenant, chers compatriotes, je vais vous montrer comment
Paul Kagame a été humilié par un député européen, au Parlement européen. Il a été traité de voyou, au Parlement européen. Permettez que je trouve ça. C'est sûr et certain que je vais trouver ça. Je remets la vidéo dans ma vidéo précédente sur l'autre chaîne. Ce n'était pas bien sorti. Alors je vous remets ça ici. Alors, Paul Kagame traité de voyou. C'est bien ça, mais... C'est Xi Merci, Madame la Jinping. Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission, d'ailleurs, n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fier de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Je pense que c'est la moindre des choses pour des parlementaires que de le connaître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission, d'ailleurs, n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fier de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Je pense que c'est la moindre des choses pour des parlementaires que de le connaître. Merci, Monsieur le Président. Voilà, cher compatriote, Paul Kagame a été traité de voyou, c'est-à-dire qu'il est abandonné. Et en ce net moment, sachez que à l'est, il y a des territoires qui ont été récupérés dans le Masisi. Voilà, cher compatriote, c'était un flash informatif. Nous en avons fini pour ce soir. Eh bien, nous nous retrouverons prochainement, c'est-à-dire demain, dans une autre émission. Et bien sûr, l'autre chaîne qui est bloquée pour 3 mois, bon, on va publier seulement pas en différé. Comment ils appellent ça? En première, peut-être. Et pour l'instant, les directs, je les ferai ici.
Voilà. Ashe bintu ngi se ya ya kona moye musa malumu chima.